Du lemme d'Abel en première partie de vidéo, et ensuite on verra le lien avec la convergence normale et le lemme d'Abel. Donc on est parti pour énoncer le lemme d'Abel. Voilà. Donc on va se prendre une petite euh, suite numérique. Donc si AN RN est borné, et eh bien ça, ça implique que notre petite série numérique des AN n converge absolument, donc convergence absolue pour tout ρ appartenant eh bien, à l'intervalle 0 petit r. Donc voilà, ici c'est le même r. On peut faire une petite aparté en rappelant eh bien, que la définition du rayon de convergence, c'est le sup de l'ensemble des valeurs absolues de z, telles que a n, z n, ce truc-là, et eh bien, Converge. Voilà, donc en fait, ici, la, série, fin, la suite numérique des AN, RN, ici, le petit r fait partie de cet ensemble ou peut même être égal au grand r. Donc voilà, c'est un rayon de convergence ou un sous-rayon de convergence. Donc on est parti maintenant pour démontrer cette, ce, ce petit lemme. Donc la démonstration, on va se la faire, elle n'est pas bien compliquée, mais elle donne des résultats super intéressants. Donc on va supposer, hop, la première partie, vu qu'on fait une implication, on va supposer cette chose-là. Donc on suppose. An, Rn borné, on va devoir montrer que la série D, An, Rn converge absolument. Donc on suppose ce truc-là. Ça, ça veut dire qu'il existe un grand M appartenant eh bien à R tel que eh bien pour tout n appartenant à grand n notre petite suite numérique des a_n r_n en valeur absolue eh bien est inférieure à grand m voilà donc maintenant on est parti pour euh, démontrer que cette, cette série numérique converge absolument et ça ça revient à montrer qu'en fait c'est la série des valeurs absolues de a_n n qui converge donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne le terme général en valeur absolue donc soit r appartenant eh bien à 0 petit r voilà donc, on va regarder en valeur absolue qu'est-ce que donne AN ro de N. Maintenant, on va se servir en fait eh bien, que ANRN RN est une suite bornée. Donc, ce truc-là, on va pouvoir faire apparaître de force eh bien, du ro N on va pouvoir faire apparaître du RN. Et on va tout de suite compenser l'apparition du RN par une division par RN. Et ça, tout ça en valeur absolue. Voilà. Donc, vu qu'on a fait apparaître ANRN, RN, bah, ce truc-là, c'est majoré par M, vu que c'est une suite bornée. Donc, on va avoir du M ro sur r le tout à la puissance n en valeur absolue voilà et comme ro appartient à 0 r et eh bien ça euh, donc on va avoir que ro sur r va appartenir à 0 1 voilà comme on divise par r on divise tout le segment par r et donc 0 sur r ça fait 0 et r sur r ça fait 1 voilà or et eh bien euh, la suite enfin la série numérique des m ro sur r à la puissance n en valeur absolue hop c'est peut-être mieux. Et eh bien ça, euh, cette, cette série-là converge car c'est la série géométrique. Voilà. Pourquoi c'est la série géométrique bah, Le M, vous le passez devant et P sur R, bah, c'est Q. Et Q euh, à la puissance N, eh bien, avec Q qui est inférieur à 1 en valeur absolue, bah, ça c'est la série géométrique. Et là, bah, Rho sur R, c'est en valeur absolue inférieur à 1. Donc Rho sur R en valeur absolue, ici, est inférieur à 1. Voilà. Donc on a réussi à majorer notre ANRN, enfin n en valeur absolue, par un terme général d'une série numérique convergente. Donc, d'après le théorème de comparaison, donc lui c'est toujours le même, dès que vous parlez de série numérique, il traîne tout le temps ce théorème, d'après le théorème de comparaison des séries à terme général strictement positif, eh bien, on a que la suite, la série numérique m, ro sur R en valeur absolue, n qui converge, ça implique que la série euh, numérique des AN, RO de n en valeur absolue, converge. Et ça, ça implique que la série des AN, rho de n, converge, et eh bien absolument. Voilà, donc là, on a terminé la démonstration du lemme d'Abel. Donc vraiment, il n'est pas compliqué, hein, est, toute cette partie-là, c'est du blabla, ça c'est vraiment les séries numériques, vous connaissez, en fait c'est juste ici que c'est un petit peu stratégique, mais en soit c'est pas bien méchant. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on regarde le lien avec la convergence normale. Et pour ce faire, bien, pourquoi pas se faire un petit graphique. Voilà. Donc le lemme d'Abel il est très très intéressant. Donc on va se prendre un, un intervalle de convergence, donc euh, ici ça va être moins r et ici ça va être R, et on va se le prendre, eh bien, euh, exclu, parce que comme ça on ne se prend pas la tête de ce qui se passe sur R ou moins R, parce que vous savez, euh, sur la frontière de la boule de convergence, il se passe, tout, il se passe toujours des dingueries, donc on ne va pas aller regarder ça, et on va se prendre, eh bien, un Rho, voilà, Ici, le ρ, on va se le dire, soit ρ appartenant eh bien, à 0 grand r, ou 0 petit r. Mais je vous l'avais dit en début de vidéo, ici, le petit r, c'est un, un, un rayon de convergence ou un sous-rayon de convergence. Donc soit ρ appartenant à 0 r. Et eh bien ça, ça nous dit qu'en fait, toute, si on a une fonction qui passe comme ça, donc là, ça va être la fonction série des... Donc, n, n, c'est une série entière, et eh bien on, ça, ça nous dit que peu importe la valeur qu'on prend de x qu'on injecte dans la série entière et qu'on regarde, et eh bien on va avoir de la convergence absolue. Donc, pour tous les x qu'on envoie dans la série entière, et eh bien euh, la série, par exemple, si on, si on se prend x0 et qu'on regarde l'image dans la série entière, et eh bien la an x0 à la puissance n, cette série numérique-là, va converger. Et ça pour tout x 0 appartenant eh bien, à 0 ρ compris, parce que sur 0 ρ, eh on a de la convergence absolue pour les séries numériques. Donc ça, c'est super. Et donc, c'est quoi le lien avec la convergence normale Eh bien, ici, euh, on va pouvoir donc majorer notre Xn par ρ de n, parce que sur euh, l'intervalle, donc sur X, enfin, pour X appartenant à l'intervalle 0 ρ, euh, compris, 0 hein. rho, et eh bien on a cette, inégal... enfin, cette inégalité-là. Donc ça, ça implique que bah, en fait, en multipliant par a n euh, x n, hop, rho de n, on a cette inégalité-là. Évidemment, a n, c'est une... un terme général positif. Et donc, ici, euh, vu que cette petite, euh, ce petit objet-là, enfin, ça c'est le terme général d'une série numérique convergente, et eh bien on va avoir que la série des a n rho de n converge et ben ça ça va impliquer et eh bien que notre série de fonctions d'an xn et eh bien converge normalement voilà ça c'est la définition de la convergence normale vous avez réussi à majorer euh, votre un de x une suite numérique qui est en général d'une série numérique convergente donc convergence normale donc en fait sur tout sous-segment de l'intervalle de convergence donc pour n'importe quel rho inférieur à grand r eh bien vous aurez de la convergence normale donc en fait si on regarde précisément sur notre petit dessin en fait voilà ici sur toute la partie sans toucher les r toute cette partie là là on va avoir convergence normale sauf et eh bien euh, vraiment collé à r voilà et ça c'est pour tout intervalle fermé 0 Rho on a convergence normale, donc voilà le lemme d'Abel ici est très très intéressant parce que sur une copie si on vous demande euh, donner un intervalle de convergence normale quelconque, et eh bien vous prenez soit Rho inférieur à R, donc soit Rho appartenant à 0 R, et eh bien là vous avez directement convergence normale grâce au lemme d'Abel voilà, donc le lemme d'Abel est un outil euh, super puissant et vous voyez vraiment que euh, l'interprétation de ce lemme dépasse vraiment un l'énoncé, l'énoncé il est vraiment tout simple mais euh, dès qu'on pose que, ici le R, c'est le rayon de convergence, et bien là tout se transforme et ça devient vraiment intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour deux prochaines vidéos. Salut tout le monde!